parc de Lakeside, pêche et baignade interdite sous peine d'amende. On est en contravention, hein? Walter Baliff le sait, et il ne laisse jamais passer l'occasion de nous piéger. Il y a quelque temps, il m'a piqué ici. Et il a eu l'air tout étonné de me rencontrer. Il a dit, tu pêches? Ah, j'ai dit, non, j'apprends à nager à mon verre. Et il a ajouté, je t'ai dit 10 000 fois que pêcher le saumon était une chose illégale. Alors fais donc voir ce que t'as là-dedans. Mais j'ai dit, je pêche seulement les pinoches brochets. Ah, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je lui ai dit, je te le dirai si j'en prends. Hein? Un de ces jours, je lui ferai bouffer mes verres. C'est dans ce coin que Joe m'a appris à pêcher. Oh, il en connaît un bout là-dessus, ça, il faut le reconnaître. Un jour, je l'ai vu ferrer une truite. Le temps d'un éclair, hop, il l'avait emballée. Quoi que j'essaie avec une fille. Oh, une fois, on avait été pêcher en mer dans un bateau. On a pris 40 morues ce jour-là. Mais j'étais sûr d'avoir trouvé le bon coin, disait-il tout fier. Il faut le marquer, il dira pat. Mais j'ai dit, comment tu vas faire? Mais il n'y a qu'à faire une croix blanche dans le fond du bateau. J'ai dit, mais c'est une idée diabolique, c'est stupide, c'est illogique. J'ai dit, faire une croix blanche, mais ça ne sert à rien. Si nous revenons dans cette baie et qu'on pêche une autre fois, on risque de ne pas avoir le même bateau. Alors, il paraît que les Esquimaux creusent un trou dans la glace. Ils jettent une poignée de poils et ils attendent tranquillement. Ils espèrent attirer des colins, des harengs et des langoustes. Ouais, il paraît qu'ils attendent avec patience que le poisson se réchauffe auprès du poil. Et ceux qui ont un poil dans la main, ben, ils la trempent directement dans l'eau. Un jour, il y a un copain qui m'a raconté qu'il avait ramené une sirène au bout de sa perche. C'était au large de Copenhague. Selon lui, son buste faisait 42, son tour de taille faisait 22, et le reste lui a fait serpent pendant plusieurs jours. Ah, Joe, c'est un drôle de gars. Il raconte qu'il a soulevé une certaine Florence. Il raconte qu'elle possédait une petite fortune en or, qu'elle avait des terres, qu'elle avait aussi des fermes, et avec du bétail. Oh, on sera heureux, Joe. Oh, ben, tu parles, récupérer tout ça d'une seule traite. Elle lui a dit, tiens, à propos de traite, c'est toi qui t'occuperas des vaches. Il l'a épousée à la belle saison, parce qu'il y avait un tétard en route. Alors, quand il est venu au monde, il voulait savoir son poids. On lui a dit, oh, ben, il doit peser tout juste 300 grammes. Il a répondu, oh ben alors là, je suis volé les copains, je récupère à peine ma mise. Ah, le petit est un jeune homme aujourd'hui. Et il vole de ses propres ailerons. Il croit encore au Père Noël et fait de jolis rêves. Mais peut-être bien que quand il sera un peu plus vieux, il pourra réaliser la joie d'être assis auprès d'une rivière, loin du monde, de ses agressions, de la haine, de la peur, de la dépression. Une heure assis là, on ignore ce que ça représente. Passer une heure avec des pêcheurs, on retrouve la paix intérieure. Ils sont tous paisibles, ils sont gentils comme tout et sages. J'en ai un! Allez, quoi, j'en ai un! C'est pas vrai, j'en ai un! C'est pas vrai, d'abord! 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 C'est pas vr